dimanche 15 juillet 2012. Bon, je suis à la Rabassa. Ouh, ça a bien changé en un an. Tout est en chantier. Et puis maintenant, je vais par là. J'espère que je ne vais pas me faire dévorer par les loups. Demi-heure de grimpette déjà, enfin, c'est plus du chemin que de la grimpette. Et puis on voit bien le premier but des quatre que je me suis fixé, que j'espère arriver à faire. Puis là-bas on voit du beau monde. Et voilà, le premier but est atteint, 1h35. Le deuxième est là-bas. Le troisième est là. Et le quatrième, si tout va bien, se trouve dans... Là, près du deuxième bunker, tout un troupeau de chevaux. Bon, on fait une petite pause boisson. Et puis, on va trop tard. Voilà, je m'approche de l'objectif numéro 2, le Pygmée. Un petit quart d'heure pour monter là-haut. Après, je prendrai par là-bas. Voilà, objectif numéro 2 atteint, 35 minutes depuis là-bas. Prochain là-bas. Petite pause boisson et on redémarre. Voilà, j'approche fortement de l'objectif numéro 3. Là-bas. Et ensuite le numéro 4. Il se trouve là-bas devant moi. Impressionnant, mais je pense qu'il y a un chemin. Voilà, le troisième depuis le départ de la Rabassa. Ça fait une heure, trois heures, pardon, que c'est parti de là-bas. Bah, c'est pas bon. Quatrième, très très dur, la descente très très dure de Montrouille et la montée pour Perafita très très dure aussi. Donc il faut que je redescende Perafita et que je remonte Montrouille, ça va encore être très très dur, mais c'est très très beau.
suis en train de renouveler, mais c'est...